Là, je vais enlever ça. Alors, ici, toujours avec le texte, imaginons que je tape un texte A. Toujours aussi simple pour l'instant. Voilà. Ici, je le transforme en forme. Voilà. Ici, si j'avais mis un contour direct, il aurait mis un contour, mais là, je l'ai oublié de le faire. Donc voilà. Voilà, admettons. Voilà. Ça, ce que je vais faire, je vais rentrer dans contenu. Le A, je rentre dedans et je vais enlever le fond. Je voulais juste garder le bord qui est en rouge. Alors ici, on a la possibilité, ici, donc on a vu décaler, on a, ça je vous montrerai après, mais on a ici surtout raccordé les tracés. Ça correspond un peu à l'effet trait. Donc raccorder les tracés ici, on retrouve sa logique ici, avec début, fin et décalage. En fait, ici, quand début est à 0 et que fin est à 100, tout mon mot, enfin toute ma lettre est écrite. Si je joue là-dessus, voilà, j'ai la possibilité de jouer à ça. Voilà, tac. Comme ici, mon effet est en dessous le A et l'intérieur du A, bah, il va toucher tout le bout. Donc ici, je pourrais faire ça par exemple. Je mets une clé ici. Voilà. Et admettons un peu plus loin, je vous demande qu'il écrit mon mot. Voilà. Ça vous fait des choses comme ça. Alors là, je vais les laisser calculer un petit peu. Voilà. Voilà, par exemple. Alors, ça peut servir à plein d'autres choses. Donc celui-là, je l'enlève. Ici. Si je tape un texte, ici, je vais taper forme. Voilà. Ça, je vais le rendre plus petit. Voilà. Ici, je vais aller dans créer, transformer, enfin créer des formes à partir du texte. Voilà. Là, ça a fait ça parce que j'avais ma touche Shift appuyée. Je l'enlève. Ici, voilà. J'enlève le mot forme. Ici, si je fais quoi que ce soit, regardez ce que ça fait. Raccorder les tracés. Il est tout en dessous. Ici, je vais le laisser en vue comme ça. Voilà. Ici, par défaut, ça fait ça. Parce qu'en fait, donc, je vais mettre ça, hop, hop, hop. Je reviens au milieu, au début, pardon. Je fais ça. Et je vais dire qu'à 2 secondes, il fait, mettons ça. Voilà, il fait un truc bizarre, en fait. Voilà. Enfin, pourquoi pas, hein. Voilà, parce qu'en fait, il prend le fond dans le tracé. Il n'y a pas de tracé, c'est juste le fond. Voilà, il vous fait ce genre de forme. Voilà. Je pourrais très bien prendre ça. Clic droit. Assistant d'image clé. Inverser les images clés. Faire des petits effets comme ça. Voilà. Par exemple. Alors, toujours dans ce système, ici, si je prends ça et je le mets au-dessus, le M, le E et le S ne vont pas être touchés. Donc j'aurai ce genre de choses. Voilà. Si maintenant ça, je l'enlève, je tape forme, comme ça, admettons, en minuscule, je fais ça. Là, calque, créer des formes à partir du texte. Ici, je vais mettre du rouge. Voilà. Donc j'ai ça. Ce coup-ci, ben, je vais. Alors je pourrais le laisser aussi, mais j'enlève le texte. Ici, dans le fond, voilà, j'ai le fond là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ben, je vais enlever sur celui-là. 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 Et ainsi de suite. Voilà. Tac. Donc du coup, ici, j'ai juste le contour. Ben, si je mets. Alors, j'ouvre mes formes, pardon. Voilà. Je vais ajouter, décaler les contours. Raccorder les tracés, pardon. Voilà. Et ici, je vais avoir ça. Donc là, je mets à 0, donc on voit rien. Image clé et genre à 3 secondes. Tout simplement, je vais avoir ça. Voilà, j'aurai ce genre d'animation. Voilà. Alors là, vous avez vu qu'ils l'ont tous fait en même temps. Ça aurait été le même cas quand on avait laissé les fonds. C'est ici. Raccord
regardez les tracés multiples ici, simultanément ils partent tous en même temps. Si je me mets sur individuellement, il va le faire à la queue leu leu, quoi. Le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Alors une fois que j'ai fait ça, admettons, je peux très bien par rapport à ce qu'on a vu l'autre fois, bah, dire en plus, ajouter, décaler les tracés. Donc ici j'avance un petit peu, voilà, j'aurai ce décalage de tracé, je peux tout interpoler, c'est-à-dire que ici, je vais dire qu'au début, il est négatif. Voilà, à peu près comme ça. Donc je le mets bien au début. Et à 4 secondes, je le remets, admettons, ici. Voilà. Et ça va tout interpoler en fait.